découvrez Shadow. Une toute nouvelle façon de jouer au dernier jeu sans jamais changer votre PC. Avec une simple connexion Internet, vous pouvez transformer n'importe quel appareil en PC gamer surpuissant. Comment ça marche? C'est simple. Votre Shadow est juste là. Une machine Windows 10 complète avec des composants haut de gamme, stockés en toute sécurité dans nos data centers. Pour accéder à votre machine, connectez-vous simplement à votre compte Shadow et vous streamez l'image et le son directement sur tous vos écrans. Que ce soit sur un vieux PC, une tablette, un smartphone ou même sur Mac, profitez de vos jeux sur tous vos appareils. Votre Shadow fonctionne comme un PC Windows 10 classique. Vous pouvez installer et lancer n'importe quelle application. Les jeux qui vous appartiennent déjà, les derniers titres du moment, et tous les logiciels de votre choix. Et le mieux dans tout ça, c'est que nous prenons en charge tout le matériel. Votre Shadow est régulièrement mis à jour et ne devient jamais obsolète. Vous pouvez donc profiter de performances haut de gamme, sans limite et sans aucune contrainte matérielle. Shadow, le meilleur moyen de transformer tous vos appareils en un PC gamer surpuissant.
Bonsoir à toutes et à tous, c'est avec grand plaisir qu'on vous retrouve pour ce nouveau rendez-vous. L'avant-match s'est parfaitement déroulé et les spectateurs prennent place ce soir sous un ciel dégagé. Des conditions météo parfaites pour cette rencontre. La tension, en revanche, est clairement montée d'un cran tout à l'heure. À l'annonce des compositions d'équipe, le speaker a beaucoup de talent pour ça, il sait mettre l'ambiance. Et puis on connaît l'importance du public dans ces rencontres. C'est l'un des plus beaux stades dédiés au football. C'est parti pour cette rencontre. Mon conduit sur la gauche. Ça peut partir en contre. Il joue sur sa gauche. Au départ, c'était une bonne idée d'aller percuter comme ça. Oui, mais il prend la mauvaise décision au final. Dommage. Bonne intervention, ça pouvait créer le danger. Godos ! Il y a danger. Oh, la frappe ! Ça s'est joué à rien. Ouh, quelle occasion ! Ouais, c'était bien dans l'idée, mais personne pour la reprendre. Il y avait de l'idée là, mais le geste n'a pas suivi. C'est joué long. Mon conduit. Mendoza. Allez, ça doit faire but. Ça sent la frappe. Ça joue à gauche. C'est dégagé, très loin. Touche. Quelle inspiration! Elle s'est peut-être un peu emballée sur ce coup. Un très long ballon. Et pour lui, attention! Oh, attention! C'est une occasion, ça! Situation, c'était obligé de se terminer comme ça. Il a bien exploité l'espace devant le but et à partir de là, c'est très difficile de l'arrêter. But. Deric qui inscrit là son premier but de la saison. Le jeu reprend, ça fait 1-0. Bon, ça c'est fait. Maintenant, il va falloir garder ce tempo. Et il perd l'équilibre. Mendoza. Et il redonne derrière. Long ballon dans le sens du jeu. Amiens qui veut se faire pardonner de son immense faux pas au match précédent. Amiens qui essaye de construire. Oh oui! On peut y aller! Oh, il y a danger.
Il y a beaucoup de mouvements sur les côtés, vous ne trouvez pas? Oui, c'est vrai que je me faisais la même réflexion. À mon avis, ils essaient de créer des espaces dans l'axe pour une passe ou une course. Godos, c'est bien fait. Le centre tendu. Attention, la frappe! À côté. Oh, que c'est dur! C'était une occasion en or. Il est côté droit, il y a un truc à faire. Mon conduit qui a de la liberté. Oui, il y avait bien faute. Godos qui choisit le côté gauche. Qui se rend pour un mien. Et évidemment, c'est carton jaune. Ça joue long, vers l'avant. Bonne interception, il y avait danger. Briançon. Une longue passe. Un seul but d'écart pour l'instant, mais ça suffit à leur bonheur. Ils mènent donc 1-0. Fomba. Et le one-man show continue. C'est bien défendu, il fallait vraiment être solide. Mendoza. Il est bien placé. Fomba. Voilà une bonne occasion de contre. Il décide d'allonger le jeu. Et le ballon qui est remis dans l'axe. L'ouverture sur le côté. Le centre devant le but. La bonne interception. La passe dans la profondeur. Oh, c'est bien fait. Il est à distance de tir. Un centre rasant. Corner à suivre. La tête! C'est la mi-temps, les joueurs vont pouvoir reprendre leur souffle, et nous aussi d'ailleurs. Les deux équipes regagnent donc les vestiaires avec ce petit bout d'écart. Rien n'est donc joué dans cette rencontre. Bien sûr, ça fait toujours plaisir de rentrer au vestiaire en menant au score. La question est de savoir s'ils auront encore le sourire à la fin du match. 1-0, un seul petit but, c'est par les deux équipes. Coup d'envoi de la seconde période. Un seul but d'écart, mais ça suffit à leur bonheur pour le moment. Il allonge vers l'avant. Qui se frappe pour rien.
Nîmes, qui a peut-être perdu son dernier match à cause de la tactique mise en place. Oui, bah comme on dit, la critique est aisée, mais l'art est difficile. On ne peut pas lui en vouloir d'avoir tenté des choses nouvelles non plus. Et ce ballon sur l'aile ? On joue sur l'aile, il est servi. Et ce ballon de... Et la tête ? Ah non, il n'a pas complètement réussi son geste. Super débordement, même si le marquage était un peu à l'arrêt. Il joue avec le feu en ce moment en laissant autant d'espace sur les ailes. Il tente de la jouer dans l'espace. Dans la profondeur. Il reçoit le ballon. C'est parti. Encore une récupération de balle. Il avance bien. Il faut frapper là. De rien, et pourtant, quelle occasion! La contre-attaque était pourtant parfaitement menée, ils auraient mérité mieux, c'est dommage. Dommage que cette passe soit interceptée, ça aurait pu être une occasion. Ah, il manque de bol là, mais il faut qu'il soit plus tranchant. Derrick, il cherche la profondeur, il prend sa chance. Et le cadre se dérobe largement. Tout seul, à cette distance, ils peuvent vraiment faire mieux. Il récupère le ballon, c'était un bon pressing. Dans l'espace. Et le gardien peut se saisir de ce ballon. Oh, très bon ballon. Allez, ça peut faire mal. Un ballon devant la cage. Oh, le coup de tête! Voilà, c'est ce genre d'attaque qu'il faut tenter. Et à ce stade du match, il n'y a plus à hésiter, si ? C'est vrai, Grégoire. Bien servi. Il écarte, ça joue long. Kakuta, il est bien placé. Allez, jusqu'au bout ! Oh, le gardien est là, la classe ! Oui, quelle intervention ! Honnêtement, moi, je la voyais dedans. Voilà un marquage très agressif. Bon, il leur a déjà montré de quoi il était capable. Alors là, il se méfie. Les attaquants doivent participer à la récupération. Il en est le parfait exemple. Les équipes ont de plus en plus tendance à défendre haut aujourd'hui. Ça devient un peu la norme. Faut tirer là. Et ça finit au fond.
Voilà un one-man show tout simplement impressionnant. Il a bien analysé la situation avant de très vite faire la différence. La défense n'a jamais pu le rattraper. Amiens qui effectue un changement. Ah, on devrait voir un petit peu plus de spectacle, de dribble et de vitesse. Et ça repart du rond central, égalité parfaite. Et voilà, ils ont égalisé, on va voir maintenant s'ils gardent cette dynamique. Deric. Kudos. Sur la gauche. C'est reparti, ils peuvent contrer. C'est sorti, il y aura une touche. Il y a peut-être un coup à jouer. Ah non, dommage. Les actions coûtent cher à ce moment-là du match. Ce contre peut très bien aller. Il tente sa chance. Oh, le poteau. Les deux équipes doivent faire attention au contre maintenant. Il faut garder ce ballon, faire tourner, être patient et saisir sa chance. Bon jaillissement, il fallait intervenir. Le jeu repart vers la droite. Ça peut être extrêmement dangereux. Ah, oh, c'était l'occasion de faire la différence. Quel dommage. Bien, la profondeur. Longue ouverture sur le côté. Bien joué, ils vont pouvoir repartir. Il y a du jeu, il y a du dynamisme. Malheureusement, ça reste stérile. Kudos. Il faut se projeter maintenant. Le drapeau s'est levé hors jeu. Ça doit être rageant pour eux. Ils auraient pu faire la différence sur cette action. C'est l'occasion de procéder à un changement. Il était fini, crevé. Carbo, comme vous dites. Il fallait le sortir. Le gardien dégage, loin. Ah, mais quel dommage, quel gâchis, mais il n'arrive pas. C'est joué long. Ah, oh, c'était l'occasion de faire la différence. Quel dommage. S'il le trouve. Un long ballon vers l'avant. Kudos. Plus le temps de tergiverser, c'est maintenant qu'il faut tout donner. L'assistant lève son drapeau. Dégagement du gardien. On vit là les derniers instants de cette rencontre. Fomba. C'est terminé. L'arbitre siffle la fin du match. Et ce match se termine sur ce score nul. Mais franchement, on ne peut pas être frustré à l'issue de cette rencontre. On a eu droit à un vrai beau spectacle de foot. Bon, Darren, votre analyse sur cette rencontre. Vous savez, il y a des jours où on n'arrive pas à gagner. Eh bien, dans ces cas-là, vaut mieux éviter la défaite. C'en est terminé, Darren, pour cette belle soirée de football. Merci de l'avoir vécu à nos côtés. Bonsoir. Tout le plaisir a été pour moi.